Juste un instant, non, ce n'est pas fini. Juste avant que vous partiez, s'il vous plaît. Pendant qu'on était en train de chanter, on va reprendre, on continue à jouer. Pendant qu'on était en train de chanter tout à l'heure, je voyais ton oreille. Le Seigneur me disait, il va te rendre de plus en plus à l'écoute, pas des hommes, mais de sa voix. Je te voyais, je voyais ton oreille comme ça. Parce que tu as envie d'entendre, tu as envie de comprendre. Et le Seigneur me montrait ton oreille. Tu es quelqu'un qui le cherche sincèrement. Et il va disposer. Vraiment, tu es comme ça. Quelqu'un qui a envie de vraiment de. Non, il y a quelque chose dans ton cœur qui bouillonne. Et ton oreille comme ça, sur ta parole. De plus en plus, tu vas te rendre sensible à sa parole. Pas la parole d'un homme, mais à sa parole. À sa parole. Et en fait, tu l'as associé. Pour que ce que toi tu recevras, tu vas de lui communiquer. Parce que le Seigneur va te parler et il va lui parler. Et vous allez entendre les oracles du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, et continuez à descendre. Des choses que votre oreille, ah c'est magnifique, n'a pas entendu. Des choses que vos yeux n'ont pas vues. Des choses qui ne sont pas montées dans votre cœur. Le Seigneur va vous les faire entendre. Et je vous vois en train de lever vos mains vers le ciel, en train d'adorer le Très-Haut, en train d'adorer Jésus. Oh Seigneur, merci. Mais dans le son, je suis dirigé vers une personne, donc c'est un papa blanc, avec une jeune fille. Et quand je suis rentré dans la salle tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai dit, ah, papa blanc, je vois une fille, et c'est une fille, pas une fille blanche là-bas, j'ai dit, ah, ça doit être lui. Et là, il a parlé sur vous, j'ai dit, ah, c'est vraiment, il a dit, mais dans le son, je dis, le message, en fait, c'est tout pour vous. Ah, c'est tout pour vous. De chez lui, on n'a pas discuté ça. Le Seigneur vous aime. Bon courage, que ça vous bénisse.